Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial automne, voilà. Donc tout d'abord, je vais venir m'hydrater le visage grâce à cette crème que j'adore. C'est la Embryolisse, elle faisait le buzz il y a quelques années, voilà, tout en faisant la folle. Voilà, tout en dansant sur Bruno Mars, ma chanson du moment. Ensuite, je vais appliquer, j'ai ressorti en fait le Marc Jacobs, c'est le Remarkable que j'ai en teinte Bisque Medium, numéro 26, et je viens l'appliquer avec un pinceau plat. Voilà, donc c'est un fond de teint tellement couvrant qui va me faire paraître un peu blanche, mais vous allez voir que par la suite, on va plus avoir cet effet cadavérique. Ensuite, je vais appliquer l'anti-cerne d'Estée Lauder que j'ai en teinte Light Medium. En teinte C2. Voilà, je vais juste l'appliquer au niveau des cernes et je viens tapoter avec le pinceau de chez Sephora, le numéro 47. Ensuite, la poudre que je ne quitte plus, donc la Translucent Powder de Laura Mercier que j'applique avec le même pinceau. Je viens aussi l'appliquer au niveau de la zone T pour éviter de briller dans la journée. Ensuite, je viens faire mes sourcils avec cette petite palette de chez Essella, donc Serge-Louis Alvarez, qui nous propose trois pochoirs. Donc moi, je vais faire ça cette fois-ci. Donc je vais tout d'abord venir appliquer avec, à l'aide d'un pinceau biseauté, la cire. Et ensuite, bien évidemment, je viens appliquer donc, la poudre de mon choix. Donc j'applique la taupe. Voilà, et je viens combler les manques. Ensuite, je viens appliquer une base à paupières Smashbox et je viens l'étaler grâce à un autre pinceau de chez Sephora. La star de ce tutoriel, donc c'est la Caramel Mélange, la nouvelle palette de chez Zoeva qui est sublime. Donc grâce à un pinceau de chez Zoeva, je viens appliquer la couleur Wax Paper. Donc c'est une sorte de coquille d'œuf très légèrement irisée. Ensuite, en creux de paupière et en coin externe, je viens appliquer deux fards que je mélange ensemble, donc le Start Soft et le Finish Sensual. Et enfin, au centre, j'applique grossièrement le Aftertaste. C'est vraiment cette couleur qui est la star, vous verrez, du maquillage, donc cet orangé vif très 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 belle. Superbe couleur en fait pour l'automne. Ensuite, je me munis d'un pinceau propre, toujours de chez Zoeva, et je viens blender, voilà. Et je rajoute au fur et à mesure pour vraiment avoir l'intensité souhaitée. Ensuite, je reprends la couleur Finish Sensual que j'applique en ras-de-cils inférieur et le Wax Paper en touche lumière en coin interne. Ensuite, je prends l'eyeliner de chez Maybelline qui est mat et je viens de tracer un petit trait d'eyeliner. Ensuite, une découverte, donc une merveille, ce mascara de chez Marc Jacobs. Me semble-t-il que c'est le Velvet Noir Volume. Magnifique, franchement si vous ne l'avez pas testé, allez le tester. Et ensuite je viens faire le tracé de mon visage, donc grâce à du contouring et grâce à cette très jolie palette que je ne quitte plus de chez Smashbox. C'est la Contour Kit, voilà. Avec le reste de poudre qui me reste de Laura Mercier, je viens bien tracer le contour et grâce à un pinceau Crystal Sense, je viens estomper le tout pour éviter les démarcations. Ensuite, je prends ce blush que je ressors à l'occasion. C'est mon blush préféré de chez Milan. C'est un Baked Blush en teinte lumineuse. Donc, vous n'avez absolument pas besoin d'highlighter avec ce blush-là. Et ensuite, je viens appliquer le numéro 705 de chez Clarins, de la gamme Jolie Rouge. Et c'est cette très très jolie couleur passe-partout qui est super confortable à porter et qui va venir hydrater vos lèvres et ça change des couleurs mates. Donc voilà pour mon petit tutoriel. Donc quelque chose de frais et d'assez portable. J'adore cette couleur sur les yeux. Je pense que vous aussi. Donc voilà. On passe maintenant à la tenue. Donc je porte quelque chose de très simple. C'est vraiment ma tenue de tous les jours quand je n'ai pas envie de me casser la tête. Donc je porte un pull de chez Boohoo, un pantalon de chez Missguided et enfin mes petites cuissardes de chez Ego. Donc j'espère que ce petit get ready vous aura plu, je vous ferai plein de bisous. Bye bye, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me laisser vos impressions. Ciao ciao !